Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Encore une fois, merci de votre fidélité. Vous nous rejoignez à travers l'ensemble de nos canaux digitaux, le www.filmguinée.com ou encore la chaîne YouTube de Film 24. Notre page Facebook est également disponible. Vous êtes nombreux aussi dans la région forestière et dans la savane à nous suivre sur le réseau synchronisé de Dabo Media sur Baobab FM 97.7 à Cancan, la même fréquence à Sigiri. Vous êtes sur 95.00 du côté de Mamou sur Fraternité. Merci d'avoir embarqué. Alors, l'équipe du jour est totalement dédiée à votre cause pour vous servir jusqu'au port de 11h. Talib Ebari, bonjour. Bonjour, le juste. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour aussi, l'île nationale de Guinée. Ah, on a entendu, réentendu Bantamasso il y a quelques instants. Oui, c'est mon grand frère. Bien. Ça fait pas plaisir. Bien sûr. Ouais, Il faut les traquer. Mais justement, c'est l'hystérie du pouvoir. C'est l'ivresse du pouvoir quand on dit aux gens de faire attention. Non, mais c'était pour ceux qui n'étaient pas sincères dans leur engagement au RPG. Si. C'était clair. Il a bien dit un pied dehors, ça ne peut pas marcher. Mais quand même. Non, on sait comment les gens se sont comportés ici. Non, mais il fallait assumer. À un moment donné, il faut savoir raison garder. Il avait raison à l'époque. Mais il faut savoir que, à un moment donné, on peut se retrouver de l'autre côté. Disait contre ceux qui étaient contre le troisième mandat, non seulement deux groupes, hein, les membres du gouvernement qui ne sont pas exprimés, mais aussi les activistes de la société civile à l'époque qui ne voulaient pas un troisième mandat. Oui, parce que continuellement, on va les ressortir des choses du tombeau des archives pour les ramener en surface. Et ça, on peut compter sur Et c'est Bantama qui est traqué aujourd'hui jusqu'à son dernier retranchement. Voilà, comme pour dire que la roue tourne. Malheureusement, Mohamed. C'est ça. Non, oui, la roue tourne, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle tourne. Et un jour aussi, on parlera de cette transition. Ouais. Ceux qui ont géré la transition. Mais bien sûr. Ils vont face à l'histoire. Ouais. C'est là-bas le jeu sera intéressant. Ouais. Ah, oui, oui. Quel remords aujourd'hui? Remords? Oui, bien sûr. Bon, moi, personnellement, en tant que citoyen guinéen, je n'ai aucun remords. Je parle de. Tu n'étais pas acteur de ça. De ceux qui étaient acteurs, animateurs de la gouvernance à l'heure. Ils n'ont aucun remords. Ceux qui étaient les pontes. Ils n'ont aucun remords. Ils ont assumé une position. Ils ont suivi un idéal. C'est celui d'être Alphaïs ou Kassorissa. Et j'espère que ce sont des personnes qui s'assument. Hein. Moi, je les respecte sérieusement. Ces cas du RPG s'assument. Ceux qui ne s'assument pas, on ne les connaît pas. Mais au vu de tout ce qui se passe en ce moment, respect à ces cas du tout. Ils regrettent. Non, il faut changer avec eux. Il ne regrette pas. Monsieur, vous avez toujours été à l'antipode du pouvoir. Et c'est moi qui avais raison. Et c'est ça, vous n'avez pas raison. Aujourd'hui, il y a des Kassoris, il y a des Alphaïso. Je suis fier de ces cadres qui s'assument. Aujourd'hui, il y a un pied dedans, un pied dehors. C'est parce que les gens voulaient des décrets. Ils n'aimaient pas l'homme alpha, ils n'aimaient pas le RPG. Mais il y a d'aucun d'assurance. Il n'y a pas lieu d'être assez fier d'une gestion qui a aussi piqué du nez. Non, mais c'est une gestion. Mohamed, il faut relativiser. C'est une réalité, Mohamed. Il y a eu pratiquement 8 ans. Mais le pays avait touché le fond, Mohamed. Non, le bilan était positif. Le pays avait touché le fond, Mohamed. Les trois dernières années. Tu ne peux pas nier cela. Les trois dernières années, non, oui, ça n'allait pas. Mais il ne faut pas tout peindre en noir, l'homme de l'année. Non, on n'a pas d'ailleurs sous les yeux. Non, mais vous ne peignez pas. Il ne faut pas tout peindre en noir. Bien, on va essayer de. On était tous en Guinée. Il y a eu des acquis au temps du régime Alpha Condé. Non, mais je me demande si toi tu étais en Guinée, Mohamed. Mais nous étions tous en Guinée. Bien. On a tous dit ce qui s'est passé. On s'intéresse à autre chose, au Sili National. Oui, mais je dirais quand même que l'un des passages des propos de Bantama est d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il y a encore, y compris dans la scène politique guinéenne, des gens qui ne sont ni pro-CNRD, ni de l'IFDG. Ça ne passe pas du tout. C'est la politique. Non, attendez. Ça ne passe pas du tout, monsieur, franchement. Je dis appliquer. Tu ne peux pas défendre l'indépendable. Non, je ne défends pas. Je dis appliquer à la réalité actuelle. On en parlait ce matin dans notre bureau. On a encore des acteurs politiques qui font la fine bouche parce qu'ils espèrent avoir un jour un poste dans l'administration. C'est vrai que lorsqu'on est engagé pour une cause, on doit assumer cette cause et agir à visage découvert. Donc on arrête de jouer les deux, d'afficher deux visages le matin. Ils sont dans nos radios, le soir, ils sont en train de raser les murs du palais Mamère 5. On sait que c'est une pratique en cours. Bien. Alors, je voulais parler du Sili National, qui finalement connaît ses adversaires au compte des éliminatoires de la CAN 2023, prévu en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort s'est déroulé hier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et la Guinée, finalement, va tomber sur
un os dur du continent, ouais. C'est bien évidemment l'Égypte. L'Égypte. Donc la Guinée de Naby Keïta va en découdre, entre autres avec l'Égypte de Mo Salah, Mohamed ouais. Salah, ouais. Donc qui jouent tous à Liverpool. Et les deux autres adversaires qui a marché, de la Guinée, qui a marché sur United hier. Bien sûr, ouais. Qui a écrabouillé United. N'en déplaise à Karim. Oui, à Karim. Désolé pour Karim. Désolé. Les deux autres adversaires, donc après l'Égypte, les deux autres adversaires de la Guinée, c'est le Malawi et l'Éthiopie. Il s'agit de justement, le Malawi, ce n'est pas une équipe qui est étrangère à la Guinée parce que la Guinée et le Malawi étaient dans la même poule lors de la dernière CAN du côté du Cameroun. Donc 48 équipes ont été tirées au sort pour constituer 12 poules et au final, justement. Donc deux qualifiés par poule. Pour désigner les 24 qui iront en Côte d'Ivoire. Est-ce une poule jouable pour le Sili National? Oui, à bien des égards, avec toutes les casques. Attention, peut. Oui, bien évidemment. Attention, la Guinée, l'Éthiopie, on a vu l'Éthiopie donner du fil à retordre à bien des équipes, même si cette équipe s'est fait éliminer au premier tour. Mais elle a proposé du jeu, elle a proposé du contenu dans le football qu'elle a proposé au Cameroun. Et sans parler du Malawi. Quand vous prenez le classement, il va falloir que le Sili hausse son niveau de jeu, que le Sili mette du rythme, de la rigueur, de l'intensité, mais du sérieux dans tout ce qu'il proposait là durant ses éliminateurs. Sinon, c'est pas gagné d'avance. Je promets, la Côte d'Ivoire, c'est la porte d'à côté, mais on peut bien ne pas y aller. Parmi les quatre équipes, il n'y a que le Sili qui n'a pas de fond de jeu. Vous avez suivi le Malawi contre les grandes équipes du tournoi. Vous avez suivi l'Éthiopie. Mais le Sili, c'est la seule équipe qui n'a pas de fond de jeu dans cette poule. Bien. C'est vrai, sur le papier, on peut être favori derrière l'Égypte. Mais sur le terrain, nous sommes l'équipe la plus facile à battre. Le problème du Sili, il ne peut pas gagner à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est bien mieux gagner. C'est bien que ce soit Lincoln qui apprend parce que voilà, il est plus fouteux que Tarifé. Il faut savoir négocier. Au moins sur le terrain, on t'a vu lors du tournoi corporatif des médias. Oui, même si Thierry Henry était malade. C'est ton absence d'ailleurs qui a fait qu'on a été éliminé. Merci. Voilà, c'est parce que entre temps, il était en mission du côté de Kinshasa. Voilà, Lincoln qui a grandement manqué au FC Anaconda lors de ce tournoi.